Bonjour et bienvenue, n'est-ce pas, à la résolution de cette équation. Ici, nous avons z exposant z égale, n'est-ce pas, à z exposant 2. Alors, comment est-ce que nous allons nous arranger pour pouvoir résoudre cette équation? Dans un premier temps, il faut dire que ici, z exposant 2 est différent de 0. Donc ici, on dira, on va diviser des parts et d'autres par z exposant 2, z exposant 2, ce qui donne ici z exposant z moins 2 qui sera égal, n'est-ce pas, à 1. OK? Parce que ici, lorsqu'on a a exposant n sur a exposant m est égal à a exposant n moins m. C'est ce que nous avons appliqué ici. Donc, à partir d'ici, nous allons utiliser une nouvelle fonction, la fonction, par exemple, ln. Donc, ln de a puissance n, c'est égal à n, ln, n'est-ce pas, de a. Et on sait que ln, n'est-ce pas, de 1, c'est égal, n'est-ce pas, à 0. Donc, on va l'utiliser ici. On va faire ln, n'est-ce pas, de z, exposant z moins 2, voilà, qui serait égal, n'est-ce pas, à ln, n'est-ce pas, de 1. Finalement, ça nous donne ici z moins 2, voilà, ln, n'est-ce pas, de z, qui serait égal, n'est-ce pas, à 0. À partir d'ici, ce qui veut dire qu'on aura z moins 2 qui serait égal à 0, ou ln, n'est-ce pas, de z qui est égal, n'est-ce pas, à 0. Alors, ici, ça nous donne z est égal, n'est-ce pas, à 2. Et ici, on a ln, n'est-ce pas, de z qui est égal. Alors, 1, c'est quoi? C'est ln, n'est-ce pas, de 1. OK? Donc, à partir d'ici, on dira que z est égal à 2. Et là, comment ln de z est égal à ln de 1? Donc, on dira que z est égal, n'est-ce pas, à 1. Donc, la solution de cette équation serait égale 2 et 1.